Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 11 août, c'est la Sainte-Claire. Je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les claires qui nous écoutent. Et la phrase du jour est ce de Saint-Augustin. Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Je répète, il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Alors écoutez, j'ai envie de faire à l'envers, si ça ne vous dérange pas ce matin. Donc on va le faire à l'envers et on va commencer par ce que nous disent nos anges et nos guides. Allez, et on finira par le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Premier message, la détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Et on précise, excusez-moi, l'amour de soi, bien entendu. On ne peut pas aimer les autres et on ne peut pas réclamer de l'amour aux autres si on ne s'aime pas soi-même. C'est la base pour pouvoir faire de belles rencontres, être dans l'amour de soi. On continue. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Effectivement, parfois il est très compliqué de voir, je dirais, les belles choses, surtout quand on a pas mal de problèmes. Il est bon parfois de s'obliger, j'ai bien dit de s'obliger, à essayer de voir ce qui est bon pour justement créer une pensée positive et créer l'abondance. C'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est un travail, hein, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui doit s'ancrer. J'ai envie de vous dire, c'est comme certaines habitudes, c'est-à-dire pour ceux qui fument, eh bien vous savez qu'il y a l'automatisme de la cigarette du matin, et pour d'autres, ça va être le café du matin. Eh bien, ce sont des automatismes. Eh bien, la loi d'abondance, c'est un automatisme. Et pour cela, eh bien, c'est la reconduction de vos pensées positives H24, 7 sur 7, 365 jours par an, et ce, toute votre vie, qui fera que cela deviendra un automatisme comme la cigarette du matin ou comme le café du matin, et qui vous apportera par contre bien plus de bienfaits que les deux choses que je viens de citer auparavant. Donc n'hésitez pas à faire ce travail. C'est un travail, hein. C'est comme pour les personnes qui font du sport ou qui font un régime ou qui essaient de grossir. C'est un travail de tous les jours, hein. Il n'y a pas de secret. C'est un travail qu'il faut effectuer tous les jours sans exception. Je continue. Intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Alors, j'aime à dire qu'en spiritualité, il n'y a pas qu'une vérité. Il y a notre vérité. On fonctionne toujours par rapport à ce que nous avons comme type de guide, ce que nous avons comme type de vision, ce que nous avons également de notre vécu. C'est pour ça que vous verrez que d'un médium à un autre, vous n'avez pas nécessairement les mêmes protocoles, même dans les énergéticiens. Et c'est ce qui fait notre unicité et notre particularité. Ce serait dommage que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Ce qui est sympathique, c'est surtout quand on n'impose pas sa façon de penser aux autres. Le but du jeu, c'est juste d'accepter nos différences. Après tout, le but étant toujours de faire du bien aux autres, peu importe quel soit le style de source que nous avons. Le principal, c'est de pouvoir guider et aider,
pas à pas avec notre façon de voir les choses sans toutefois les imposer, de manière à ce que justement vous ayez votre libre arbitre, votre façon de voir et votre façon de penser. C'est ce qui fait que vous êtes un être unique, c'est de la façon dont vous pensez et de la manière dont vous voyez les choses qui vous est propre, qui n'est pas nécessairement la vérité, mais qui est la vôtre. Voilà. On continue. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu avoir l'occasion d'appliquer. C'est-à-dire que ce soit avec des amis ou avec un partenaire de vie, sur l'instant T, la colère, l'incompréhension. Et en fait, j'ai préféré vraiment attendre, hein, même j'ai parfois attendu une semaine avant de pouvoir remettre les choses. Mais l'avantage, c'est que la discussion a été beaucoup plus saine et j'ai pu effectivement exposer les faits et pouvoir le dire avec beaucoup de douceur, sans nécessairement impacter l'autre avec des mots méchants ou blessants. Donc c'est quand même beaucoup plus sympathique parce que l'autre va entendre votre discussion, alors que quand il se sent agressé, ben, il va rien entendre du tout en fait. Allez, on continue. Alors, quelques soucis que vous avez actuellement peut-être dans le domaine professionnel. Pourtant, vous allez trouver l'opportunité pour pouvoir, je dirais, vous engager sur une nouvelle voie. Donc, peut-être effectivement lié à la communication, moi j'ai envie de vous dire. Peut-être quelques soucis à régler, que ce soit familial ou professionnel. Mais j'ai cette sensation que vous allez régler les choses et que vous allez vous engager sur une autre voie qui va vous permettre effectivement de pouvoir éliminer justement ces soucis. Alors, bah écoutez, j'ai vraiment la communication, les écrits, le contrat, l'engagement, ça me parle beaucoup sur quelque chose qui vous a effectivement causé souci, hein, encore une fois, mais qui va vous permettre effectivement de prendre une décision qui va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. Donc, en fait, grosso modo, vous n'avez plus envie de vous embêter, vous n'avez plus envie qu'on vous embête, donc vous allez prendre les décisions qui vont vous permettre effectivement de dire, bah, moi j'ai envie de subir, donc je vais prendre la décision en fonction de. Et au niveau sentimental, et eh bien écoutez, regardez, on vous parle d'âme sœur spirituelle, donc soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous êtes sur son chemin. On vous dit également de ne pas confondre d'âme sœur spirituelle, parce que pour certains, ce n'est pas votre âme sœur. Ça, ce sont les personnes qui pensent souvent, oui, mais je ressens la même chose, je suis connectée, je ne peux pas me passer de lui. Ben, c'est pas bon, parce qu'en fait, le côté je ne peux pas me passer de lui, ben, c'est que ce n'est pas la bonne personne, puisque c'est pas, on n'est pas dans l'attachement, dans le côté âme sœur, bien au contraire. On est dans quelque chose de partenariat. Et vous voyez, on vous le dit bien, vous n'êtes pas prêt. Donc c'est pour ça qu'effectivement, parfois, l'univers vous envoie ce que j'appelle, moi, avec beaucoup d'humour, des testeurs, c'est-à-dire testeurs et testeuses, hein, des personnes qui vous correspondraient parfaitement bien, mais qui, en fait, inconsciemment, vous fait répéter des schémas répétitifs du passé. Donc analysez bien, faites bien attention, lâchez prise et laissez faire les choses. Ne vous imprégnez pas de ces personnes sans nécessairement les connaître, le mieux étant de prendre son temps. Et le temps, c'est la durée, et le temps, c'est la patience, et c'est toute la différence pour pouvoir établir une relation basée sur un partenariat. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain matin. Au revoir.